Je peux vous aider? Service de l'inspection des bâtiments. J'ai pas demandé d'inspection. Je sais, je quadrille le quartier. Je repère les endroits qui sont habités. Et je regarde si tout est en ordre au niveau des papiers. C'est nouveau cette installation, non? Tout marche bien. Oui, c'est parfait, mais je vois pas de permis affiché. Y a pas besoin de permis. Mon installation marche très bien. J'ai appelé le service des eaux, j'ai payé ce que je devais et ils m'ont rebranché l'eau. Mais vous avez fait des travaux, nouveau branchement, nouvelle cuvette. Tant qu'il n'y aura pas un plombier qui certifiera ce travail et délivrera un permis en bonne et due forme, je vais devoir couper l'eau au niveau du compteur. Je me démerde pour vivre avec le minimum au jour le jour. Et vous allez me faire payer encore pour du boulot que j'ai déjà fait? C'est pas moi qui fais les règlements, monsieur. Il y a toute cette putain de ville qui se retrouve sous la flotte et vous continuez à faire comme si de rien n'était. Je me débrouille tout seul pour arranger ce que je peux. Ça compte pas pour vous, tout ça. Désolé, monsieur. Meilleur que... Docteur Fraser, je peux vous voir une minute? Il va y avoir des gens plein les rues. On ma cousine m'a appelé, elle a un garçon à John Mac en troisième. Désiré, je vous arrête tout de suite. Elle va pas tarder à devenir folle avec ce qui se passe dans ce lycée. Je suis au courant des problèmes de sécurité à John Mac, mais j'ai entendu dire que ça allait mieux. Il a peur d'aller en cours le matin et ma cousine a peur de l'y envoyer. Mais on est archi complet pour le moment. S'il trouve pas une solution, ma cousine va devoir faire ses bagages et aller à Houston. C'est peut-être bien ce qu'il y a de mieux à faire. Vous savez, ça m'embête d'avoir à vous le dire, mais je ne peux pas faire d'exception. C'est impossible.